Yo, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon dressing. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis super longtemps et que j'avais pas fait parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un placard assez petit. Mais étant donné que ces derniers temps j'ai fait un grand tri, un grand rangement et qui sera sans doute jamais aussi bien rangé que là, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous montrer ça. Donc moi j'ai décidé de fonctionner par couleur dans ma penderie, c'est-à-dire que vous allez avoir les couleurs ici, suivies du blanc, du gris, du noir à motif et du noir tout simple. J'essaie de mettre sur cintre tout ce qui réagit mal une fois plié, genre les petits tops en mousseline, tout ça. Les robes évidemment, les vestes et parfois quelques pantalons. Du coup en premier je mets les petits chemisiers, même s'il y en a un seul que je porte encore actuellement, c'est celui-ci. Donc c'est un chemisier en coton de la marque Only. Vous avez dû le voir maintes et maintes fois sur ma chaîne, je vous l'ai présenté plein de fois. Et c'est le seul que je porte. Après c'est vrai que j'aime plus trop porter des chemisiers type mango, un synthétique qui colle un peu à la peau, là j'aime plus trop ça. Du coup il y a celui-ci, ensuite il y a cette petite robe que j'adore. C'est une robe H&M que j'ai achetée il y a 2 ans, je vous l'avais déjà présentée. Elle est blanche avec des motifs feuilles et je la porte ceinturée à la taille. C'est pour ça qu'en fait j'ai mis une petite ceinture accrochée au cintre. C'est vraiment, cette robe c'est une trouvaille, c'est à dire qu'elle ressemblait vraiment à rien dans le magasin. Et ceinturée, elle a l'air d'une robe hors de prix. Du coup j'en suis vraiment très contente, je l'avais payée une misère et je la ressors tous les étés parce que sur peau bronzée c'est juste une tuerie. Après du coup j'ai un cintre vide qui est le blazer que je porte. Il y a cette petite robe que vous connaissez maintenant. Elle a des petits motifs chevrons, je l'aime juste énormément, je la mets tout le temps. Même si cet hiver j'ai eu un peu plus de mal à la porter. C'est une jupe en fait moulante, mini jupe qui arrive en haut des cuisses. Et je trouve ça vraiment trop court, donc je réfléchis à peut-être mettre une bande de dentelle ou autre chose en bas pour la rallonger un peu et pouvoir continuer à la porter parce que indépendamment de ça, elle est juste super belle. Ensuite j'ai ce kimono que j'adore, je vous l'ai présenté maintes et maintes fois. C'est un Bershka que j'ai acheté il y a 2 ans et demi, je l'aime tellement. Le problème c'est qu'il est super vieux, la matière commence à vraiment s'abîmer, mais je l'aime tellement et j'ai pas trouvé d'équivalent. Je me souviens je l'avais payé une misère, j'avais attendu qu'il soit en solde et du coup je l'avais eu à 12 € et je l'ai aimé, il est magnifique, que ce soit sur une robe, avec un jean, sur un top noir, j'en suis folle et à chaque fois que je le mets tout le monde me dit « Ouais, il est trop beau ton kimono » et voilà. Il a plus aucune couleur le pauvre, mais je l'adore et je continue à le porter, je pense que je continuerai à le porter jusqu'à ce qu'il soit complètement mort. Donc après j'ai cette fameuse robe Shein que je vous ai présentée dans mon dernier haul, que je n'ai toujours pas portée une seule fois, mais bon, on garde espoir, n'est-ce pas? Donc ensuite on passe au noir qui est, comme vous pouvez le voir, la proportion la plus importante de mon placard. Pour commencer, il y a mon Perfecto d'amour que je vous ai présenté maintes et maintes dans mon lookbook de printemps. Je le portais sur toutes les tenues, je le mets tous les jours en fait, sur n'importe quoi, sur des pantalons, sur des robes. C'est vraiment pour moi le basique à avoir. Donc c'est un Perfecto en cuir d'agneau que j'ai payé 100 € chez Bershka, c'était la collection de cet automne. Après j'ai un petit blazer noir H&M que j'ai depuis je sais pas 6 ans peut-être. Je l'aime pas spécialement, il est pas très bien coupé, mais je l'ai porté tout l'hiver quand je travaillais chez Nespresso. En fait comme il fallait un blazer et un pantalon de costume, je le mettais tout le temps. Mais indépendamment de ça, je le porte pas beaucoup. Mais bon, voilà, il est surtout... il a été détrôné par le blazer que je porte gris que j'ai acheté très récemment et que j'aime franchement beaucoup plus. Ensuite j'ai une petite veste, je crois que c'est le truc que j'ai depuis le plus longtemps dans ce placard. C'est en fait une petite veste en pure laine qui vient de chez Zara et que ma mère m'avait acheté quand j'étais, je crois, en 3e ou en 2e. Elle l'avait payé assez cher pour du Zara parce que c'était l'époque où Zara faisait vraiment des vêtements de qualité quand on mettait le prix. Ensuite on passe à mes robes noires, je vais pas toutes vous les montrer parce que j'en ai vraiment beaucoup trop et que vous en avez déjà vu plusieurs sur ma chaîne. Je vais vous montrer ma préférée du moment, c'est celle-ci. Donc c'est une robe qui vient de chez Esprit, elle a une coupe droite, un peu robe chasuble avec des manches et elle est juste canon avec des baskets blanches, elle est super belle. Donc ce que j'aime dans cette robe en fait c'est qu'elle est adaptée à 2 saisons. Elle peut être très bien portée en hiver avec un blouson par dessus et des collants qu'en été sur jambes nues. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et en deuxième j'ai ma robe classe, c'est à dire celle que je mets pour tous les événements où je dois être bien habillée. Donc c'est une robe dans un tissu qui est à mi-chemin entre le coton et le néoprène, donc avec beaucoup de tenue. Elle est cintrée à la taille et derrière en fait c'est là que tout se joue parce qu'elle a des petits détails en fait, un passepoil en simili-cuir et une grande fermeture éclair. C'est une robe See You Soon
Je l'avais payé une soixantaine d'euros il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est la robe qui, avec des talons et une petite veste, va vous donner l'air de porter des vêtements hors de prix. Donc ensuite on passe sur la portion avec des cintres pinces où je range absolument toutes mes jupes. C'est une partie de mon placard qui a été inexistante pendant très longtemps et que j'ai beaucoup agrandi ces derniers temps parce que j'ai eu très envie de m'acheter des jupes et des pantalons. Du coup je vais vous présenter ça. Premièrement il y a cette jupe très longue de chez Pinky que j'avais acheté une trentaine d'euros juste au moment de passer mon bac. Je me souviens c'est ma mère qui me l'a offerte parce que quand je passais mon bac il faisait littéralement 35 degrés dans les salles et que j'avais pas le droit de mettre une jupe courte. Du coup ma mère m'avait acheté cette jupe très longue pour que je puisse quand même être en jupe et avoir moins chaud pendant mes épreuves de bac et je l'ai gardée. Ensuite j'ai ce cintre où je mets mes deux petites jupes que vous connaissez si vous suivez mes vidéos depuis un moment. Donc la première c'est une jupe Bershka en simili denkaki avec un zip devant que j'ai énormément portée au printemps. Maintenant c'est vrai que je la mets un peu moins avec l'été qui arrive, ce qui est un peu bête, il faudrait que je la ressorte. Mais voilà cette jupe que j'ai achetée cette saison. Et la deuxième c'est une jupe que j'ai depuis maintenant 2 ans que j'avais achetée chez Mango en solde à 12 euros. Elle est en simili cuir portefeuille et elle est juste canon. Son seul défaut c'est que quand on la met avec des collants on fait un bruit de sac poubelle à pattes toute la journée. Mais indépendamment de ça, elle est vraiment super jolie et je l'aime beaucoup. Et enfin nous avons le vêtement que j'ai le plus porté ces 2 derniers mois, vous n'imaginez même pas combien de jours j'ai pu mettre cette jupe. C'est la jupe que j'ai achetée chez Mango et que je vous avais présentée dans mon haul de printemps. Je l'ai payée 8 ou 10 euros chez Mango Outlet, je sais plus. Et je l'ai portée mais énormément et je la mets encore, elle est juste super jolie avec des Stan Smith et un t-shirt. Et je pense que c'est mon gros coup de cœur du printemps, j'adore cette jupe et c'est un basique à avoir. Et enfin je finis mes vêtements sur cintre avec une pièce, c'est la pièce la plus chère de mon dressing en fait. Je l'ai depuis pas longtemps. En fait pour la petite histoire, il y a une quinzaine d'années ma grand-mère s'habillait intégralement chez Sonia Riquel. Et ben moi quand j'y vais en fait des fois je fouille dans ses placards. Et il y a 2 mois en fait j'ai dégoté un pantalon mais canonissime. Donc c'est un pantalon très long, très large, qui arrive sur les pieds vraiment, donc à porter avec des talons. Il est très taille haute et il est en pure laine, donc c'est vraiment aujourd'hui je pense que chez Sonia Riquel ça vaut entre 800 et 1000 euros un pantalon comme ça. Donc j'en suis juste super heureuse, il était parfaitement à ma taille. Honnêtement c'est le genre de pantalon qui est super en hiver avec un pull rentré dedans ou en été avec un top court et des sandales à talons. Et je sais que là vous devez pas vraiment voir à quoi ça ressemble mais je prévois de vous l'inclure dans le prochain lookbook que je fais. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le regarder. Et c'est donc tout pour la partie sur cintre. Maintenant on va faire plus la partie sur étagère. Là ça va aller plus vite parce que si je vous montre absolument toutes les pièces qu'il y a dans mon dressing, on va pas s'en sortir. Donc en gros pour vous expliquer un petit peu comment c'est rangé, là-haut j'ai une grande étagère sur laquelle je mets ma valise, mon sac de sport. Là c'est une pile avec les vêtements que j'ai mis à vendre sur Vinted qui rentraient plus dedans mais du coup je les ai mis à part pour si je les vends, ils sont toujours là. Du coup mon placard en fait il continue sur 1 mètre en haut et j'ai encore une étagère où je mets absolument tous mes sacs. Et après en bas vous avez toutes mes chaussures, vous avez plusieurs étagères avec mes chaussures. Ici vous avez la pile avec tous mes t-shirts et tous mes tops qui peuvent être pliés. Comme je me suis mis à acheter des pantalons et des jupes qui sont des pièces assez fortes, je me suis remis à mettre beaucoup de tops basiques et de t-shirts en fait. Et c'est pour ça que j'en ai une aussi grande quantité. Du coup j'ai de tout, j'ai des t-shirts basiques, des petits tops, j'ai des marinières, des t-shirts de groupe. J'ai plus de slim, donc en gros vous avez cette portion là, c'est mes slims. J'ai un vieux jegging que je garde pour porter à la maison, 2 slims noirs et 1 slim bleu. Et après c'est les pantalons que j'achète maintenant. Donc il y a mon jean mom que vous connaissez, que j'adore. Tous mes pantalons à pince. Ici vous avez une pile avec tous les pulls que je porte. Dedans il y a un pull que je vous ai jamais présenté mais dans lequel j'ai vécu tout l'hiver. C'est un pull de la collection de cet hiver chez H&M. Donc il est très long et il est fendu sur le côté. Et je l'ai juste énormément, mais énormément porté. J'adore les pulls H&M parce qu'ils sont en laine mélangée et vraiment pas cher. Et du coup voilà, celui-là ça a été mon coup de cœur de l'hiver. Du coup ici vous avez tout ce qui est sous-vêtements. Donc en haut vous avez les bas et les collants et en dessous les chaussettes. Là après il y a mon petit sac Sandro que je mets pas sur l'étagère en haut parce que ça fait trop de peine. Donc ça c'est ce sac, c'est toute ma vie, si vous me suivez vous savez à quel point je l'aime. Et derrière j'ai une petite glossy box recyclée dans laquelle j'ai mis absolument tous mes maillots de bain. Et après que vous voyez ici il y a les 2 piles de vêtements que je porte pas trop en fait. Au milieu c'est des vêtements que je porte plus vraiment mais que je veux pas jeter parce que je sais que je pourrais les mettre un jour. En fait quand je mets plus un vêtement je le descends dans cette pile. Et si au bout d'une saison je ne l'ai toujours pas remis, je l'amène du coup au récup de vêtements. Et la pile d'à côté, c'est toutes mes affaires de sport et mes pyjamas. Du coup, on a fait le tour de votre...
Du coup voilà, on a fait le tour de mon placard. C'est vrai que je vous montre beaucoup de vêtements dans des hauls et dans des lookbooks, mais il y en a beaucoup que je vous ai jamais montré. Du coup j'espère que ça vous aura plu de voir un peu tout ce que j'ai dans mon placard. Du coup dites-moi si vous aimez bien les vidéos de ce genre, que je vous fasse un haul my shoes ou un rangement maquillage. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, tout ça. Et faut que j'arrête de faire ça. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.